Pasteur Marcelo, c'est un Africain, il est sorti dans le pays Congo. Il est un Congolais. Madame Limoui, jeudi, mercredi 12 juin 2024, là. C'est dame nan ap gade la qui te rele Maman Blanche. Selon information qui arrive jwenn nou, eh bien, c'est a yon arrêt cardiaque. Maman Blanche, Madame Pasteur Marcelo ta fait qui la cause li mouri. Que bon Dieu recevoir nanm Madame Pasteur Marcelo, Maman Blanche nan déplamé li. Bon Dieu bail, bon Dieu prend. Que bon Dieu baye, Pasteur Marcelo, ak famille force ak courage. Nous konnen kwa di, doule a di, gloa. Poko ap seche konya, men yon jou, tankou jounen jodi a, bon Dieu va seche dlo sa. Pèdi yon moun, ki te chè pou ou. Ou perdil à la minute seconde comme ça sans le pat malade nous ka comprendre douleur Pasteur Marcelo apprend à endurer là ak famille yon arrêt cardiaque dame nan fait li tout aller l'aller pour le temps et l'éternité. Gen moun ki pral di koze pepla ki sa ou konnen de Pasteur Marcelo ki sorti jis an Afrique nan peyi Congo. Ma pre pou nou kon sa, Pasteur Marcelo kon vin an Haiti. Li kon preche nan ke kapital la. Li kon ale menm go naiv. Nan preche li yo, li toujou ap di peyi d'Haïti pa ka rete kon sa. Fok bagay yo chanje. Pour politiciens yo, prend main yo. En tant que premier peuple noir qui prend l'indépendance, nous pas ka à vivre comme ça. Dans situation ça, li toujours à parler bien de Haïti. Et me prend les plus loin avec yo. Pasteur Marcelo avec Pasteur Grégory, ou gen bon jan relation. Et qui donc c'est frère nous c'est nous yo tout africain même race là nous tombé sur une vidéo bon plusieurs vidéos côté Pasteur Marcelo t'a prêché il dit comment un garçon sent-il qui perdit madame li. Entendez. Tu peux tout perdre, voiture, maison, femme, enfant, mais Christ sera toujours là. L'homme souvent s'attriste pour des choses qui sont éphémères et oublie les choses éternelles, la foi, la communion avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les gens qui perdent leur femme, tu me dis, vivent comment ? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est Pilsanga. Et si elle ne part pas, non, tout le monde est là. Chaque fois que tu as à gauche, non, azate. Quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Des gens qui ont perdu leur papa. J'ai mon dernier fils, Dabiri. Même en venant ici, il a pleuré. Chaque fois que je sors, mon fils pleure. Et les gens qui ont perdu papa. Et surtout si c'était un bon papa. Parce qu'il y a des pères, hein. Il te marque. Pasteur Marcelo. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec Maman Blanche. Le regard. Elle va se tenir debout. Elle est belle, hein? Amen. Ne juge pas un homme
sur ses défauts présents. Tu ne connais pas les qualités futures qu'il va manifester. Alléluia. Je me souviens quand il fallait que j'épouse Blanche. Je vois déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais maintenant, quand elle était sans enfant, vous imaginez comment elle était. Alors, quand Dieu me dit c'est elle, j'ai dit non. Une fille comme ça peut être une maman pasteur. Oh Dieu, tu veux tuer le ministère. 5 fois, j'ai rompu avec Blanche. Ouais, on a rompu 5 fois avant de nous marier, Bishop. Parce que je disais, elle ne peut pas y arriver. Est-ce qu'elle peut être comme moi? Est-ce qu'elle peut? Alors un jour, on a rompu. Et je vois une vision. Je suis dans une guerre. Je suis en train de tirer. Mais il y avait trop de gens. J'étais débordé. Et puis j'entends quelqu'un derrière moi, en train de tirer. Papa, papa, papa. Je regarde. C'était Blanche, habillée comme un militaire, avec une arme. Je dis, oh, toi aussi tu as des armes. Et toi me dit, mais oui. Papa, 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 papa. Simon, oh Jésus, nous allons proclamer la victoire sur les échecs passés au nom de Jésus. Car le Tout-Puissant nous accompagne. Le Tout-Puissant marche avec nous. Il sera notre avant-garde. Il sera notre arrière-garde. Ce qui nous a fait pleurer hier ne nous fera plus pleurer aujourd'hui. Car le Tout-Puissant est avec moi. Je marcherai la tête haute. Car le Tout-Puissant est avec ma famille. Nous allons prospérer. Car le Tout-Puissant est avec mon travail. Je veux réussir. Le Tout-Puissant est dans les statuts de mes enfants. Ils vont réussir. Au nom de Jésus, dans mon travail, je veux réussir. Dans mes entreprises, je veux réussir. Au nom de Jésus, cette bénédiction s'attache à ma vie. Cette bénédiction s'attache dans nos familles. Cette bénédiction s'attache dans cette église. La joie que tu as reçue aujourd'hui, personne ne te l'enlèvera. Au nom de Jésus, ezala mabidou mbaya famille et kolongolo et semote. La mort, c'est parmi les choses qui nous humilie tous sur terre. Vous connaissez l'histoire ces derniers temps, des milliardaires ont pris un petit sous-marin. Ils ont décidé d'aller visiter l'épave du Titanic de près. Et tout d'un coup, connexion perdue, ils sont morts, des milliardaires. La mort ne les a pas respectés. Au ciel, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de cri. Je ne sais pas si celui qui est assis ici a déjà perdu quelqu'un par la mort. J'ai perdu 2 personnes dans cette église que je n'oublierai jamais. Tu sais, c'est facile de prêcher au deuil des autres lorsque tu n'es pas très touché. Mais quand vraiment c'est quelqu'un que tu aimes, alors des fois tu comprends pourquoi certains, quand ils pleurent, ils disent des choses bizarres. Il y a un papa que j'avais dans cette église, je l'aimais tellement. Quand il est venu, on venait de déménager, on était de l'autre côté, il n'y avait pas beaucoup de papas à l'église. Les gens n'aimaient pas trop prier à la compassion, les adultes disaient que c'était une église des jeunes. Et puis j'ai vu ce homme âgé, 60, 70 ans, avec sa femme. C'était un très beau couple. Ils s'aimaient tellement. Tu sentais vraiment qu'ils s'aimaient. Et en peu de temps, on est devenus très proches. C'était un homme béni, un homme riche, qui pouvait transporter les chaises. Il était tout le temps mon service. Toujours le sourire. Disponible comme un jeune garçon. Et je ne savais pas qu'il était malade. Il ne m'avait jamais dit qu'il était malade. La dernière fois que je l'ai vu à Boston, on parlait de tout. Il ne m'a rien dit. Et un jour, on me dit qu'il est mort. Je vous dis, même le fait d'en parler maintenant, j'ai eu mal à un niveau.
Et je remercie Dieu. Je ne vous ai jamais dit, j'étais content d'être à Paris quand vous devez l'enterrer. J'avais rien à dire. Qu'est-ce que j'allais prêcher ce jour-là? Je ne pouvais pas supporter son deuil. Je ne pouvais pas supporter voir sa femme. Ils s'asseyaient toujours l'un à côté de l'autre. Ils étaient merveilleux. Et chaque fois que je voyais sa femme sans lui, je pouvais savoir à quel point elle avait mal. Je me pose toujours la question, ceux qui perdent un homme, une femme, ils font comment? Tu es habituel, s'assied toujours là. Ses habits sont là. Son assiette est toujours là. Quand tu blagues comme ça, elle répond comme ça. Comment ces gens continuent-ils à vivre? Vous tous qui avez connu une telle chose et qui continuez à être heureux, vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Toi qui as perdu ton père, mais tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu ta mère et tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu. Nous sommes des proches, pasteur Marcelo, il dit en pile causé dans yo. Mais c'est un jour pour nous aller. Nous pas venir faire tout temps nous sous bout terre. Mais il y a un Jean mon aller l'aller lui dit quoi dit il pas malade. Copie qu'on ça l'aller. Non, nous tout connaît pour aller. Mais nous pas connait qui joue, nous pas connait qui l'est. Seulement n'attend les jours pas nous arriver pour nous aller. Mais si nous tout te connaît jour nous pour aller mon cher nous tape gitan fan pile bagaille. Mais pendant ou va vivre là profiter vivre titon là pas jouer monde pas dire monde bêtise pas touyon l'autre avec langue. Jean, ou ap taye zeb en bas pied l'autre là, si on l'autre taye zeb en bas pio ou pap content. Fo la, se ou la, ou ap pale mal, matin, midi et soir. Suspend. Jésus a vini, bientôt. Jésus a vini bientôt. Préparez-nous. Encore une fois, que bon Dieu recevoir l'homme, madame pasteur Marcelo, maman blanche, dans des plats mêlés. Et que bon Dieu baille famille, force à courage. Et bon Dieu séche de l'eau ça, dans les pasteur Marcelo et famille. On connaît. Li pas facile. Mais gloire a séché quand même. OK. Bon, n'a pas entré dans politique là red. J'aime te dit dans une vidéo de fait après-midi hein. Te dit États-Unis vraiment paniqué après 4 bateaux de guerre RIS débarqué dans pays Cuba, plus précisément la Havane, capitale là, parmi eux, y a un sous-marin nucléaire. États-Unis paniqué. Eh bien, après, 4 bateaux de guerre, parmi eux, y a un sous-marin nucléaire, fin débarqué. Dans pays Cuba, jeudi mercredi 12 juin 2024 là, eh bien États-Unis vraiment paniqué. États-Unis vraiment paniqué. M'bral di nou ki action États-Unis pose là. De di nou Jean Bagay l'an pou aller là, li capable déclencher une troisième guerre mondiale. Li possible. Eh bien après
4 bateaux de guerre ici fin débarquer et Cuba. Il était environ 8h matin mercredi 12 juin 2024 là, il y a fait 5 jours. Bien, États-Unis sont-ils paniqués? Vraiment, vraiment paniqués. Ils voient plusieurs bateaux de guerre avec avions à le contrôler pour qui ça qui est en tête Rissio qui débarque dans le pays Cuba. On a regardé l'image avec moi là. C'est quelques bateaux. Captaille banda dans la mer Cuba. Après yo fin apprendre et yo t'es déjà au courant que y a fait 5 jours dans pays Cuba. Et yo marché tout paré. Tout paré. Avion de guerre, bateau de guerre américain. Eh bien, ka fait patrouille en l'air ni dans la mer. Puis on ka konnen ki sa Rissio vin fè Cuba. Ki sa ou vin fè? M'te di nou sa. Et qui donc Cuba avec États-Unis tout près à là, Haïti avec Cuba tout près à là. Le ou Mol Saint-Nicolas, Mol Saint-Nicolas qui trouve dans le département nord-ouest pays d'Haïti, si m'pas trompé, c'est un arrondissement. Le li nan 6h, 7h, depuis le commencé la nuit, UEFA, Cuba. Ça veut dire pas loin même. Yo vin avec tout missile, tout bagay yo net, n'importe attaque. Pour yon défendre yon. Les États-Unis dit non, m'pa ka grande puissance. Pour m'pa gen contrôle Rissio. Et m'konnen, moi même avec Vladimir Poutine, c'est l'être ak citron. C'est ennemi jiré les États-Unis. Nous pas capable ap jouer avec bagay yon kon sa. Yon oblige voye plizye bateau de guerre et avion de guerre. Aller sous tête Cuba a fait patrouille. Puis on connaît qui ça qui n'a tête Rissio. Est-ce que c'est pas quelque missile y a plagué dans des gwen États-Unis là? C'est Floride là, là, avec Cuba, c'est copipip, trapdé. Même Jean te ka dit, Haïti, avec Floride. La Floride. Dis-nous, Jean Bagay ou pralé là, li capable de déclencher yon troisième guerre mondiale. Et sorti, et bateau de guerre Rissio. Sorti Cuba là, il a pris direction Venezuela. Venezuela. Est-ce que c'est pas paix? Vladimir Poutine a fait pays autant au paix. A fait États-Unis paix. J'aime te dire dans vidéo tout à l'heure que suspend fourni Ukraine matériel et équipement pour qu'a suspend guerre. Si yo pas suspend ni bagay nan ka di yo konnen États-Unis avec Cuba yo pa fin bon zanmi. Yo konnen Venezuela avec États-Unis yo pa fin bon zanmi. Et qui donc nan l'année 2019 te gen plusieurs bateaux de guerre parmi yo sous-marin russe qui te débarqué dans pays Cuba. Pas de gen tout bagay ça non. Américain pas de voyer et bateau de guerre et avion al contrôler pour qui ça nèg yo vin fè sous tête Cuba. Pas de gen bagay ça. Donc jodi a
à cause guerre qui éclaté entre la Russie et Ukraine, bagaille la prend l'autre phase, li prend une l'autre dimension. 2019, li pas de comme ça. États-Unis pas de checker même. Pour qu'on gagne. Mais je dis à la bagaille a changé phase. Nous pas connaît qui ça qui dans tête Poutine. Et si gè malè, yon plim cheve, yon nèg gris yo. Ta manye a avoué. Et m'a retourné avec information ça pour nous. M'a partagé là avec nous encore. 3 février 1962, États-Unis mettait embargo sur Cuba. Jusqu'à maintenant m'a parlé avec nous là, nous en 2024, embargo a toujours là, 62 l'année. Nous grand timon nous traverser la rue pour compte nous. 62 l'année, États-Unis mettait embargo sous Cuba. N'a posé tête nous en question. Haïti, États-Unis mettait embargo sous lui. Gardez dans qui situation nous y est. Avec seulement ça pour réfléchir. Imaginez aux Cubains. Qui trahit a passé 62 l'année. Imaginons qui trahit. Il a passé. Nous-mêmes, États-Unis mettaient un embargo sur Haïti là. Ok. Il mettait un embargo sur lui. Où est-ce qu'il a passé? Même viande pas qu'à pousser sous de nous, non? Si tellement n'a passé trahi, il y a bandit, fin pour un pays. Bandi, c'est eux-mêmes qui ont dirigé, c'est eux-mêmes qui ont commandé, c'est eux-mêmes qui sont président, c'est eux-mêmes qui sont premier ministre, c'est eux-mêmes qui sont ministre justice, c'est eux-mêmes qui sont DGPNH, c'est eux-mêmes qui sont commissaire gouvernement, c'est eux-mêmes qui sont inspecteur de police, c'est eux-mêmes qui sont directeur général, c'est eux-mêmes qui sont sénateur, c'est eux-mêmes qui sont député, c'est eux-mêmes qui sont tout bagaille dans la Coupe d'Haïti. C'est bandi qui commandé. Embargo, c'est pas de embargo, nous pas comme ça. Il va comme ça.